Bonjour. Merci d'être là et de me confirmer que le son et l'image sont OK, mais a priori, ça devrait être bon puisque j'ai testé cet endroit d'où depuis lequel je vous parle et le voilà, le réseau est super bon. Donc bonsoir Florence, peux-tu me dire si le son et l'image sont OK avant que je commence? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Goethe, je suis ostéopathe, psychopraticien. J'ai exercé 20 ans en Ardèche et depuis quelques mois, je suis installé à Parentis-en-Born et à Pontinx dans les Landes et je fais des conférences depuis un peu plus d'une dizaine d'années que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube qui est à mon nom, Pierre Goethe, Goethe. Et ce soir, donc, je vais vous parler du deuil. Ok. Alors, vous avez remarqué que notre société nous prépare à beaucoup de choses. On se prépare aux examens, on se prépare à notre vie professionnelle, on se prépare au mariage, on se prépare à plein de choses. Mais le deuil, eh bien, je ne connais pas d'institution ou de groupe ou de rite qui prépare au deuil. Et donc, cette conférence, j'espère, elle pourra semer des graines de préparation pour le deuil, qui, bien sûr, nous touche tout le monde, nous touche tous, pardon. 100% des gens qui étaient en train de m'écouter là avaient été, êtes ou seraient concernés par le deuil de vos proches. Et quand je dis 100%, en fait, c'est pas tout à fait juste. Les 1% de psychopathes et sociopathes qui sont parmi nous et qui sont dépourvus d'empathie, eh bien pour eux, cette conférence servira pas à grand-chose parce que la difficulté avec le deuil, elle est liée à l'attachement à la personne disparue. Hein, c'est basé en quelque sorte sur la théorie de l'attachement. Et ça illustre cette tragédie humaine qui est que nous sommes câblés pour l'attachement dans un monde qui est impermanent, où tout s'arrête, tout disparaît un jour. Et il y a là une contradiction entre notre besoin d'être lié très fort à notre entourage, à notre environnement, à nos proches, et en même temps le fait que ces liens-là, tôt ou tard, ils disparaissent et on doit faire sans. Dit encore autrement, la difficulté avec le deuil, ça n'est pas une difficulté avec la mort, c'est une difficulté avec l'absence, avec la perte, et avec la perte pour toujours, avec la perte pour l'éternité. Dans cette vision, je vais vous parler principalement du deuil des êtres chers, des êtres proches. Mais évidemment, puisqu'il y a toute une série de deuils, vous pouvez être endeuillé parce que vous venez de perdre votre emploi, votre animal de compagnie, vous venez de quitter une maison à laquelle vous étiez attaché. Bref, des deuils, il en existe des dizaines et des dizaines. Je ne vais traiter que le deuil des proches, néanmoins. Tout ce qui va se dire ce soir est, de mon point de vue, tout à fait modélisable dans les deuils d'autres circonstances, personnes, objets que les êtres proches. En guise d'introduction, j'ai besoin de vous présenter quelques concepts, quelques statistiques qui vont illustrer mes propos tout au long de la conférence. La première chose, c'est la liste des choses qui rendent le deuil plus difficile et plus compliqué. Elle est très très longue. Il y a déjà la foi. Est-ce que vous êtes animé ou pas d'une foi? Eh bien ça, statistiquement, ça aide. Le lien avec la personne décédée. Le lien est d'autant, le deuil est souvent d'autant plus long et difficile que le lien est étroit ou que le lien est ambivalent. La disparition du proche est brutale, plus le lien est difficile. Quand la disparition du proche dans un accident, par exemple, implique d'autres personnes, là aussi, le deuil est plus long et difficile. La relation de dépendance avec le défunt joue un rôle. Le fait d'être marginal socialement ou au contraire très bien intégré socialement joue un rôle. Le fait d'avoir une grande tribu de liens amicaux, familiaux, jouent un rôle aussi.
Le fait de ne pas retrouver le corps dans les disparitions, dans les accidents d'avion, ça aussi, ça complexifie et rallonge le deuil. Qu'est-ce que j'oublie? Les cultures qui éloignent physiquement ou symboliquement le mort du village, le mort de la conversation, ces cultures-là rendent aussi le travail du deuil plus difficile. Et enfin, les médicaments, les antidépresseurs, notamment, rallongent le processus du deuil. Ce qui illustre cette phrase bien connue qui dit que la CAM isole, la CAM isole. En effet, en abaissant le seuil émotionnel, elle empêche le travail de se faire, elle empêche en tout cas un certain travail de se faire. Et voilà statistiquement tous les ingrédients qui viennent rallonger et rendre plus difficile le deuil. Biologiquement, le deuil nous affecte de manière incontestable, notamment pendant les 6 premiers mois. Les taux d'hormones, de neuromédiateurs, les signes, les constantes biologiques sont susceptibles d'être très perturbées. C'est valable chez les humains, c'est valable chez les animaux. Je vous donne 2 chiffres encore pour illustrer tout ça. La mort d'un enfant de moins d'un an donne chez les parents une baisse de leur espérance de vie pendant 25 ans. Et enfin, 50% des endeuillés qui ont perdu un être proche déclenchent une maladie grave dans les 6 mois qui suivent le décès. Et dans votre entourage, je suis sûr, vous avez connu ou entendu parler d'un vieux couple de retraités qui, il y en a un des deux qui part et 6 mois, un an après, boum, l'autre, il déclenche une maladie grave et il s'en va sans demander son reste. Voilà une illustration de à quel point l'attachement qui nous lie entre êtres humains est extrêmement solide et vital, et que quand cet attachement se rompt par le deuil, eh bien, celui qui reste tout seul traverse une période compliquée, le deuil, dont je me propose de vous donner une petite définition. Non, pas tout de suite la définition, j'ai oublié encore deux paramètres avant de commencer les têtes de chapitre. Une des notions qu'implique le deuil ou que dans laquelle nous entraîne le deuil, c'est la notion du sens. C'est-à-dire que l'intensité ou la difficulté du deuil, par exemple, n'est pas liée au degré de parenté que nous avons avec celui qui disparaît. Il est lié avec le sens que nous donnons à cette relation. Par exemple, quelqu'un peut perdre un parrain ou un oncle et pour autant être très 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 affecté parce que ce parrain ou cet oncle avait en fait un statut, une relation, entretenait un lien avec celui qui reste vivant, un peu comme un père, hein, un peu plus proche qu'un parrain ou qu'un oncle. Cette notion de la subjectivité et du sens s'illustre dans cette histoire de la petite fille qui écoute aux portes et un jour surprend une conversation de ses parents qui disent que, eh ben oui, cette petite qu'on a adoptée quand même, tatati, tatata. Eh bien, dans un cas, la petite peut être tout à fait dévastée qu'en fait, elle apprend qu'elle a été adoptée. Mais on peut imaginer un autre cas où elles se disent par exemple, ah mais oui, mais en fait ça a du sens ce que j'entends. Je me suis toujours senti mal à l'aise dans cette famille. J'ai jamais eu l'impression vraiment que papa et maman y m'aimaient. Hein. Voyez comment le sens que construit le sujet autour du décès peut tout à fait modifier le deuil, la difficulté et la durée du deuil. Enfin, la dernière notion qu'implique le deuil, c'est que ça nous projette dans la métaphysique et la transcendance. Pourquoi? Simplement parce que perdre quelqu'un qui est très proche de nous, c'est garder ou avoir un élan, un amour, un intérêt vers l'invisible, vers le monde invisible, vers quelqu'un qui n'existe pas. Alors, vers les nuages, vers le paradis, vers je ne sais pas quelle autre représentation vous pouvez avoir.
de la mort ou de l'au-delà, ou... mais en tout cas, le sujet qui reste vivant, son amour ne s'éteint pas instantanément, son besoin de communiquer ne s'éteint pas instantanément, et donc il reste à chercher, mais il ne sait pas trop comment, il ne sait pas trop où, il ne sait pas trop de quelle manière, il reste à chercher à établir un lien, à retrouver un lien avec celui qui n'est plus dans la réalité physique. Cette notion-là se retrouve évidemment dans toutes les cultures. La sépulture en est l'exemple le plus flagrant. Ça a du sens pour nous de construire une jolie, un joli ornement funéraire, mais au fond, d'un point de vue de la rationalité, ça n'a pas beaucoup de sens. Eh bien, si, ça a un sens, c'est une manière que nous avons, que les sociétés humaines ont depuis très longtemps. De célébrer leur mort, de leur rendre un hommage, de placer dans la réalité matérielle quelque chose qui continue en quelque sorte de communiquer avec le mort. Le dessin que fait l'enfant en attendant anxieusement le retour de son parent après l'école ou après les vacances peut être vu aussi comme une manière de transcender la réalité physique qu'il vit. Il cherche, il a besoin, il appelle son parent, mais il n'est pas là. Eh bien, ok, il prend un papier, un crayon, il dessine. Dans les grottes préhistoriques, on peut imaginer que les peintures rupestres ont été dessinées aussi comme ça, avec ça, à cause de ça. Je vous propose deux définitions du deuil, juste avant de commencer. La première serait que le deuil, c'est le temps et le parcours qu'il faut faire pour apprivoiser, faire avec, accepter le trou laissé en nous par l'absence de l'autre. Le temps et le parcours nécessaires pour réaliser, accepter et faire avec le trou, l'absence, le vide que nous éprouvons après le décès du proche. Une autre définition serait de dire que c'est un processus de cicatrisation qui englobe les plans physiques, émotionnels, symboliques, spirituels et tous les autres plans que vous voudrez sûrement. Voilà, c'est un processus de cicatrisation comme quand vous abîmez la peau et qu'il y a du tissu cicatriciel qui vient réparer, qui vient rendre le tissu fonctionnel, le faire fonctionner quand même, malgré la blessure. Eh bien, le deuil, c'est la même chose, c'est un processus de cicatrisation qui se fait tout seul, qui est naturel, mais comme la cicatrisation d'une plaie, qui se fait un peu mieux quand on y applique certaines dispositions. Et nous allons voir tout de suite lesquelles. Avec le premier auteur que je vais aborder. Elisabeth Kübler-Ross. Alors, si vous avez un peu lu à propos du deuil, c'est impossible que vous ayez loupé Elisabeth Kübler-Ross. C'est pour ça que je l'aborde en premier. Elle a été élue par le Time Magazine parmi les, comme faisant partie des 100 intellectuels les plus éminents du siècle. En 1980, à peu près 10 ans après son premier bouquin, son cours avait été donné 180 000 fois, 180 000 fois dans le monde. Voilà pour vous donner un peu une idée de l'adhésion et de l'engouement du public et de la littérature pour Elisabeth Kübler. Si vous tapez sur Google processus deuil ou étape deuil, 9 thématiques sur 10, vous verrez, sont réservées à Elisabeth Kübler-Ross, qui en 69 donc sort un bouquin qu'elle a mûri après avoir étudié, après avoir eu des entretiens avec des gens en phase terminale, 200 d'entre eux. Et de ça, elle déduit que le deuil fonctionne par étapes. Deuil, colère, marchandage, dépression, acceptation.
Elle décrit un processus de 5 étapes, donc, qui se suivent l'une après l'autre, qui sont chacune nécessaires et qui ne doivent pas être escamotées et qui terminent donc finalement par l'acceptation. Sauf que, il se trouve que, eh bien, son étude déjà souffrait d'un problème, c'est-à-dire qu'elle a étudié des gens qui étaient en phase terminale, elle n'a pas étudié des gens qui venaient de perdre quelqu'un. C'était des gens qui savaient qu'ils allaient mourir. Déjà, ça fait une grosse différence. Ensuite, tous les facteurs qui peuvent rendre le deuil plus long ou plus difficile, que je vous ai listés au début, elle n'en a pas tenu compte. Enfin, les entretiens n'étaient pas tenus avec une rigueur scientifique et, croyez-moi, enfin, sur parole non, allez vérifier si vous voulez, mais ces études n'ont jamais été confirmées scientifiquement. Par contre, il y a eu plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à ça, qui se sont emparés du sujet et qui ont plutôt très nettement contesté ce que conclut Elisabeth Kübler-Ross, à savoir le deuil en 5 étapes, deuil, colère, marchandage, dépression et acceptation. Le premier qui fait ça, c'est Bonanno. À l'Université de Columbia, il fait une étude sur 20 ans, sur plusieurs milliers de sujets. Et alors lui, ce n'est pas 5 processus qu'il découvre, mais c'est 15. 15 processus, 15 étapes par lesquelles les patients endeuillés passent. Mais, à la différence d'Elisabeth Kübler-Ross, il ne décrit pas un processus qui se passe comme des marches d'un escalier qu'on monte. Il le décrit comme des étapes qui sont interchangeables. Quelqu'un peut en traverser 3, l'autre 12, dans n'importe quel ordre. Et ça, ça fait une grosse, grosse différence donc avec le discours d'Elisabeth Kübler-Ross. Les étapes, je vous les lis parce que je ne m'en souviens pas par cœur. Le sentiment d'être coincé, un attachement excessif aux objets, la sensation de vide, la perte de sens, l'insécurité physique, l'irritabilité, l'amertume, la sensation qu'une part de soi est morte, l'absence de vision dans le futur, l'absence, la perte de confiance, le sentiment de culpabilité, de solitude, l'attachement excessif à des lieux, les troubles du sommeil et enfin les perturbations dans la représentation, dans la vision du monde. Voilà les 15 items, les 15 étapes que Bonanno décrit après cette étude. Et vous voyez que ça se recoupe pas beaucoup avec ce qu'a fait Elisabeth Kübler-Ross comme hypothèse. Bonanno n'est pas le seul à contester ce que nous dit Kübler. En 99, Strobe et Scout, je vous donnerai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Lui, il invalide tout à fait les travaux de Kübler-Ross et il dit même que ça interfère avec le processus du deuil et il parle d'un processus de dual process, c'est-à-dire que il décrit comme un phénomène de balancier et que nous serions, au cours d'un deuil, alternativement tantôt tournés vers le passé avec des émotions négatives, avec de la nostalgie, de l'amertume, de la colère, tantôt tourné vers l'avenir, avec une envie de mettre le passé de côté, une envie d'avancer, de s'engager, tantôt un regard vers le passé, regard vers le futur, etc. Et que nous passons notre deuil, en fait, à alterner entre ces deux états-là, mais qu'il n'y a pas de cheminement caractéristique, si ce n'est cette alternance. Et alors moi, en tant qu'ostéo, ça me plaît bien le fait que, comme un cœur qui bat, comme un liquide céphalo-rachidien qui circule, comme la bile qui est sécrétée de manière pulsatile, eh bien que notre processus psychique intérieur soit en balance comme ça, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Les deux étapes sont nécessaires. Regarder vers le passé pour intégrer ce qu'il y a besoin d'intégrer et puis se tourner vers l'avenir aussi pour aller de l'avant. Bref, voilà ce que nous dit Strobe en 99. Et vous voyez que c'est assez récent en fait, hein. Enfin, en 2007, une étude sur 250 sujets nous montre que le premier item et le plus commun qui s'observe chez les endeuillés, c'est l'acceptation.
ça va tout à fait à l'encontre de l'hypothèse de Kubler-Ross qui serait que l'acceptation est la dernière étape. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le deuil est fait si le premier item observé est l'acceptation, mais si on se réfère à la théorie de Strobe, ça veut dire simplement que dès le début, eh ben, le sujet a un petit peu accepté le décès. Et puis 3 jours après, il aura un petit peu plus accepté. Et 3 semaines après. Et le temps passant, à force de faire cette oscillation entre le passé et l'avenir, entre les souvenirs et le futur, eh bien, il va être capable de se projeter dans l'avenir, de vivre dans le moment présent et de sortir de son deuil. Ça, c'est l'étude, je me souviens plus de son nom, j'ai mangé le nom, mais il y a une autre étude qui est intéressante, c'est l'étude de Bowlby and Parks en 70, donc un an après Elisabeth Kübler-Ross, qui sort son livre en 69. Lui, il décrit 4 étapes et qui sont assez proches de Kübler-Ross. La première, c'est le choc. La deuxième, c'est le déni, avec les VSCD et les émotions négatives très fortes. Ensuite, le désespoir et enfin le lâcher-prise. Vous remarquerez qu'il y a une grande similarité. En fait, Elisabeth Kübler-Ross a suivi les conférences de Parks quand elle était à l'hôpital Billings. Ils se sont rencontrés. Parks lui a parlé de sa théorie, mais Kübler-Ross n'en fait jamais état des travaux de Bowlby et Parks, alors qu'elle en a eu connaissance, qu'elle s'en est très clairement inspirée. Je veux dire, elle en a rajouté une, mais bref, tout ça pour vous mettre en perspective que la théorie de Kübler-Ross, elle vient de quelque chose, elle vient pas de nulle part. Mais elle est largement contredite par des études beaucoup plus récentes, hein, 99, 2011, l'étude de Chris Mall, voilà, Chris Mall qui est à l'Australian Society of Psychology. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Aucun modèle avec une approche unique du deuil n'est justifiable. Son étude montre aussi clairement qu'il n'y a pas de grille de lecture, comment dire, caractéristique et universelle et transposable à tous sur le deuil, mais que chaque processus de deuil est singulier, aussi singulier que l'est chacun de nos parcours. Alors, petite question, pourquoi est-ce que ce modèle de Kübler-Ross, s'il est autant scientifiquement contesté, pourquoi est-ce qu'il s'est autant imprimé en nous, dans la culture populaire, dans la vulgarisation peut-être? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il est très simple. Il est très simple, il est optimiste, hein, il se termine par l'acceptation, et qui nous donne du coup un horizon, des étapes, un parcours, un escalier à franchir pour sortir du bourbier du deuil dans lequel nous sommes. Donc c'est séduisant, hein. Là où il y a du chaos, ça nous donne de la visibilité, là où il y a de l'imprévisibilité, ça nous donne une forme de certitude, de structure. Et voilà, je pense que nous autres êtres humains avons besoin d'un mode d'emploi, d'une rampe comme quand on monte un escalier. Et le mérite de Kübler-Ross, ça a été déjà d'étudier le deuil et d'en parler avec talent. Elle était très charismatique et de mettre en place une grille de lecture qui, même si elle s'est avérée fausse, je le répète, eh bien a quand même rendu certains services. Néanmoins, ça c'est les travaux de qui? Je sais plus. Je crois que c'est les travaux de Parks qui dit que oui, c'est ça, qui dit que les grilles de lecture peuvent ralentir le processus du deuil, peuvent donner des diagnostics erronés et donc des médications erronées. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, la CAM isole. Les antidépresseurs rallongent la durée du deuil. Et enfin, un problème avec la grille de lecture d'Elisabeth Kübler-Ross, c'est que les soignants, les écoutants qui se formeraient, enfin qui se sont formés par centaines de milliers, moi quand j'ai fait mes études de Gestalt, Elisabeth Kübler-Ross, j'en ai mangé matin, midi et soir, eh bien, ça donne un outil d'écoute, bien sûr, vu qu'il n'est pas très juste, fait interférence entre l'écoutant et l'écouté. Hein. Donc voilà, je vous invite à remettre en question cette auteur qui pourtant fait référence. Et encore une fois, je vous mettrai tous les liens des études qui contestent les travaux de Kübler dans le lien après la vidéo. Je passe au deuxième auteur qui fait référence.
enfin, qui fait référence en termes de, dans la culture populaire et en termes de vulgarisation. Là aussi, si vous tapez Deuil, Freud sur Google, vous allez être abreuvé de concepts, de théories, et notamment le livre Deuil et Mélancolie. Deuil et Mélancolie, que je vais passer en revue rapidement pour vous dire à quel point Freud s'est largement trompé dans les processus de deuil. Alors, la première chose qu'il dit, c'est que le deuil est un processus universel et caractéristique. Eh bien déjà, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça met cet argument à la benne. Ensuite, il nous dit que le deuil se fait dans l'esprit du sujet, que ça n'a pas de rapport avec le lien. Or, ça, c'est absolument, absolument faux. La difficulté du deuil est liée à l'attachement. Et le deuil se travaille dans la relation, pas psychiquement, juste dans la tête et dans le cœur du sujet. Il nous dit aussi que le but du deuil, ça je ne sais pas d'où il a sorti ça, le but du deuil selon lui, c'est de redevenir comme avant et de réinvestir toute notre énergie dans l'avenir, redevenir comme avant. Alors posez la question à des gens qui ont perdu un être cher. Eh ben, si vous en trouvez un qui vous dit « Ah oui, moi j'ai perdu mon père ou ma mère ou mon enfant, mais ça fait 10 ans maintenant, je suis comme avant, j'ai oublié, je c'est... » Eh ben, amenez-le-moi. J'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai pas trouvé beaucoup. Les pertes, surtout les pertes lourdes, significatives, précoces, elles laissent une trace, elles enlèvent quelque chose au sujet, elles apportent quelque chose aussi. Elles déclenchent un processus de transformation et elles font que le sujet ne redevient pas comme avant. Freud dit aussi que l'émotion du deuil, la seule émotion du deuil, c'est le chagrin et qu'elle n'a pas de fonction communication. Alors là, Bonanno, avec ses 15 items, il balaye cet argument. Et quand Freud dit que le deuil n'a pas de fonction communication, la tristesse, le désespoir, toutes les émotions négatives que l'endeuillé traverse, ce sont des tentatives extérieures, sociales, relationnelles, de retrouver un appui, de retrouver un lien, de faire quelque chose avec cette partie de lui qui, avant, était fortement liée à la personne décédée et qui, d'un seul coup, à la faveur du décès, pof, se retrouve libre, mais sauf qu'elle est encore vivante, cette partie. Et du coup, les émotions négatives ont évidemment un rôle social et thérapeutique. Ah oui, là aussi, il nous dit que la joie et le plaisir dans le processus du deuil sont des résistances. Ce sont des résistances au deuil. Mon Dieu, là, je crois que j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Hein, si un deuil qui dure, je sais pas, 1 année ou 2 ou 3 ans ou 4 ans, si à chaque fois que le sujet ressent un peu de plaisir ou de joie, est en fait en train de reculer dans son deuil, de faire marche arrière, de contrarier, d'être dans une forme de résistance, je crois que vous allez convenir avec moi qu'il y a quelque chose d'assez binaire, d'assez pessimiste, et qui ne me semble pas refléter du tout la réalité, moi, des gens que j'ai écoutés traverser leur deuil. Enfin, il nous dit que le maintien du lien, d'un attachement fort au-delà d'un an est pathologique. Il nous dit que c'est ce qui définit le fait que le deuil soit pathologique. Et bien là encore, questionner les gens qui ont perdu des êtres proches dans des circonstances dures ou à un âge précoce, et vous verrez que il y a des deuils qui peuvent se continuer jusqu'à bien plus d'un an sans qu'ils soient pathologiques. Et d'ailleurs, je répondrai à vos questions si vous en avez là-dessus. Tiens, je vais vérifier un peu où vous en êtes. S'il y a des questions qui sont arrivées. Tac, 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 tac. Ok. Donc pour l'instant, pas de questions. Je continue avec Freud. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, il dit que la question du sens n'est pas importante. Et que l'enjeu pour finir le deuil, c'est de réinvestir toute l'énergie ailleurs, toute l'énergie dans les autres relations. Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, le deuil déclenche un processus métaphysique, transcendantal, qui est que
J'aime encore quelqu'un, j'ai besoin encore de quelqu'un qui n'existe plus, qui est dans les nuages. Eh bien, je vais trouver une manière intérieure, avec ma prière, avec ma foi, avec je sais pas quoi, le cimetière, je vais trouver une manière quand même d'être en lien, d'être en relation. Et ce qui caractérise le deuil pathologique, c'est pas que l'endeuillé maintienne un lien avec le défunt d'une manière qui lui plaît, c'est que il maintienne un lien avec le défunt qui l'empêche d'être pleinement vivant et présent dans sa vie d'aujourd'hui. Mais à nouveau, questionner des gens proches de vous, dans le cas d'un deuil réussi, l'endeuillé recrée dans le lien avec le défunt une ressource. Ça se transforme en ressource. Ça se transforme en dialogue intérieur nourrissant, en souvenir apaisé et constructif. Et donc, on est très très loin de ce que nous dit Freud. Et j'ai une autre... Il y a Matthew Jouski, en 2007, qui fait une étude sur 600 personnes et qui nous dit que le prédicteur numéro 1 pour un deuil qui est terminé, c'est la question du sens. C'est-à-dire que c'est ça, selon lui, selon cette étude, qui caractérise la fin d'un deuil, c'est quand le sens que donne l'endeuillé au décès est clair et voilà, nourrissant, suffisant. Alors voilà, ça vient balayer tout à fait le fait que Freud nous dit que le sens n'est pas à prendre en compte dans le processus du deuil. Et enfin, la plupart des deuils difficiles après les décès violents, accidents de voiture, meurtres et compagnie, sont dus au fait que le sujet n'arrive pas à élaborer un sens sur la disparition. Et évidemment, si vous accompagnez quelqu'un d'une longue maladie, qu'il s'est fait lui-même un peu avec sa vie, eh bien, ça a du sens. Bon, ben voilà, ça a été un risque tout, il a mis sa vie en danger, maintenant il est mort. Après, on m'a dit, ça a du sens. Mais si d'un seul coup, votre être proche est aspiré par la mort à la faveur d'un accident de voiture, un enlèvement, un assassinat, quelque chose de tragique et de un peu difficile à comprendre, à intégrer, à accepter, eh bien, le deuil est plus difficile. Vous voyez que le sens du décès joue tout à fait un rôle dans le processus du deuil. Voilà, j'en ai fini avec les deux références qui imprègnent fortement notre culture populaire, qui sont très vulgarisées, Freud et Kubler. Eh bien, je vous propose, en tout cas c'est moi ce que je fais, je vous propose de vous départir de ces deux références. Je rajoute quelque chose, c'est que le problème avec la grille de lecture, c'est pas qu'elle soit simple, c'est que si on regarde l'autre avec une grille de lecture, eh bien on le regarde au travers de quelque chose, d'un filtre, d'une passoire qui va nous en rendre la vision difficile. Et plutôt qu'une, moi je préfère avoir plusieurs grilles de lecture, comme ça le chemin est moins certain, il est moins évident, on doit faire plus attention, mais vous verrez après, dans la suite de la conférence, la neurobiologie nous montre ça, qu'il n'y a pas un seul processus de deuil, mais il y en a en fait autant que d'êtres humains. Et voilà, j'en ai fini avec Kubler et Ross, maintenant, et Freud. Maintenant je vais passer à quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Christophe Fauré. Alors lui, c'est un peu un spécialiste du deuil. C'est un Français. Vous pouvez voir des vidéos sur lui de YouTube, il a écrit des bouquins, et j'aime beaucoup la représentation que fait Christophe Fauré du deuil. La première phase qu'il décrit, qui dure de 0 à 6 mois, c'est la phase du choc, pendant laquelle, qui dure de 0 à 6 mois, environ, c'est une moyenne très large bien sûr, pendant laquelle les rythmes biologiques du sujet sont tout à fait perturbés, le sujet a parfois besoin de beaucoup dormir, pas beaucoup, d'être très actif, pas du tout, son humeur, son comportement, son caractère peuvent changer de manière très notable pendant cette période. L'entourage d'ailleurs est assez, la nature est bien faite, l'entourage est assez conciliant avec ce proche qui d'un seul coup, à la faveur du décès, n'est plus du tout comme avant.
Et le ce besoin de est irrépressible. C'est quasiment une réaction biologique qui dans laquelle dans la période de laquelle d'ailleurs on trouve ce qu'on appelle les VSCD. VSCD, les visions du sujet. Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Les visions sans contact du défunt. Voilà. Les VSCD, visions sans contact du défunt, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans un tiers des cas à peu près. L'endeuillé entend ou voit le défunt alors que bien sûr il est mort. Et ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des interactions ou des perceptions qui sont positives à 95%, dans 95% des cas. Et typiquement, moi ça je l'ai déjà entendu dans mon cabinet, c'est la petite grand-mère qui habite dans une ferme et qui vous dit, mais je vous assure, j'ai entendu ses pas, j'ai entendu le parquet grincer et c'était exactement les pas qu'il faisait, c'est lui qui est passé dans la maison, j'en suis sûr. Et c'est quelque chose d'un peu, déjà d'avéré scientifiquement et biologiquement, mais c'est quelque chose d'un peu tabou qui se dit pas facilement parce que les gens ont peur de passer pour des fadas. Hein. Eh bien non, un tiers des endeuillés ont ces épisodes de VSCD, et du coup, quand vous leur dites que c'est normal, ça les apaise et ça les rend même un peu joyeux. Voilà, ça de mon expérience, il y a quelque chose chez eux qui est content. Que ce soit validé, qu'il ne soit pas fou, et que peut-être alors il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Enfin bref. Voilà. Voilà avec la première phase du deuil, donc le choc. La deuxième phase du deuil, selon Christophe Fauré, c'est la fuite ou la recherche de liens. Le but de cette période, qui dure jusqu'à un an, un peu plus, 15 mois, c'est d'éviter l'émotion. Hein. L'émotion négative, c'est de la ravaler, de la mettre à la cave, et c'est la période pendant laquelle le sujet va être hyperactif. Il va se jeter à corps perdu dans le travail, dans le sport, dans je sais pas quelle activité, il va être très intégré socialement. Ça fait déjà 6 mois, souvenez-vous, hein, c'est entre 6 et 12, 6 et 15 mois, donc socialement, son entourage le pousse à sortir, allez, viens, sors, ça va te changer les idées, et donc il est très très actif. C'est quelque chose qui est une phase qui est plutôt bien vécue par le sujet. Il a même d'ailleurs le sentiment, il est content de lui, il a le sentiment que son deuil avance bien. Il vous dit spontanément, bah, je pensais pas que ce serait aussi facile, entre guillemets. Je suis content, je trouve que j'ai de la ressource. Sauf qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Est-ce qu'il l'attend? C'est la troisième phase que décrit Christophe Fauré, qui survient à peu près au bout d'un an après le décès, jusqu'à 3 ans après le décès. Biologiquement, elle correspond avec une baisse de la vitalité, une baisse de l'énergie, un épuisement physique. Et du coup, en plus de l'épuisement physique, il y a aussi la disparition des objets. Et oui, la voiture du défunt, il a fallu la vendre. Les affaires, il a fallu les mettre à la poubelle. La chambre du défunt, il a fallu peut-être la vider, en faire autre chose. L'entourage a poussé, poussé pendant la période de suractivité pour nettoyer, passer à autre chose, faire les papiers, vendre la maison, etc. Et quand cette période de cette troisième phase de baisse d'énergie arrive, et ben là, le sujet, vous le retrouvez dans les chaussettes. Parce que son vécu interne à lui, c'est que ça fait un an qu'il s'active, il le voit qu'il compense, il le voit qu'il fait plein de choses, qu'il en fait peut-être un peu trop, mais il est porté comme ça par sa biologie. Donc d'un seul coup, quand son corps ralentit et qu'il a plus l'énergie de se lever pour faire ce qu'il faisait avant, dont le but, je vous le rappelle, était d'apaiser les émotions, eh bien, c'est très démoralisant, c'est très décourageant. C'est dans cette période typiquement que surviennent les suicides. Et donc là, l'entourage, évidemment, doit être extrêmement attentif, vigilant, disponible, accueillant pour le soutenir. Hein. C'est-à-dire que dans cette période, dit encore autrement, le sujet n'a pas encore créé, internalisé sa relation avec le défunt. Il n'a pas encore une manière de communiquer intérieurement avec le bon que lui a laissé le défunt, avec le côté, l'aspect nourrissant de ses souvenirs. Il est en train d'éviter tout ça. Il court pendant la deuxième phase et après, quand il a plus d'énergie, eh ben, il est sur son canapé, il n'arrive plus à se lever.
Et là, c'est bien sûr, c'est la phase la plus délicate. Et enfin, la quatrième phase, l'acceptation. Voilà un point commun avec Kubler-Ross, mais c'est bien le seul. Là, Christophe Auré nous dit clairement, et l'étude de Strobe le montre aussi, que l'acceptation, elle commence dès le premier jour, dès la première semaine. L'acceptation, elle est toute petite, et puis elle grandit, elle vient par tâches comme ça. Et Christophe Auré a le même point de vue que sur Freud que j'ai développé avant, c'est-à-dire que lui aussi, il pense que le plaisir et la joie ne sont pas du tout des résistances au deuil, mais au contraire, ce sont des expériences que le sujet fait et sur lesquelles il peut s'appuyer pour s'extraire de ses émotions négatives. Voyez aussi comment le modèle de Freud, qui dit que la joie et le plaisir est une résistance au deuil, peut être culpabilisant pour le sujet et le gêner dans son processus de deuil. Hein? Non, non, non. Si un endeuillé vous raconte qu'il a éprouvé de la joie et du plaisir alors qu'il vient de perdre quelqu'un il y a 1 mois, 3 mois ou 6 mois, avec votre bon sens et votre humanité toute simple, vous n'allez pas lui dire, oulala, attention, pas trop de plaisir, sinon tu vas abîmer ton deuil, tu vas pas faire ton deuil, hein, vous voyez, ça n'a pas de sens. Vraiment, Christophe Auré valide que voilà, la joie, la paix, l'amour, le plaisir, toutes les émotions positives sont non seulement indispensables, mais bénéfiques, et ce, dès le début du deuil. Cette phase, enfin, de l'acceptation, elle est une redéfinition de soi. Qui je suis maintenant que j'ai perdu cette personne? Imaginez que mes bras là soient des espèces de tentacules, hein, et que j'en ai, je sais pas, 4 ou 5. D'ailleurs, si, ben, le nombre de figures d'attachement pour un enfant, en moyenne, c'est 4 ou 5. Le papa, la maman, la mamie, et le tonton et le grand frère. Voilà. Donc j'ai 5 bras comme ça. Et puis d'un seul coup, et au bout de ces bras sont attachés les êtres avec qui je vis et qui sont importants pour moi. Et d'un seul coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au bout de ce lien, la personne disparaît. Mais moi, j'ai toujours ma tentacule. J'ai toujours ma tentacule relationnelle qui cherche, qui a besoin de quelqu'un. Et elle va devoir pas disparaître, c'est pas vrai. Elle va devoir trouver une manière internalisée de rentrer en lien avec le défunt et aussi de rentrer en lien avec la réalité d'aujourd'hui, avec les autres, avec mes autres proches, avec les autres circonstances de ma vie. Donc la question de cette quatrième phase d'acceptation, c'est aussi qui je suis maintenant par rapport à moi, qui je suis par rapport à mes proches, qui je suis par rapport au défunt, comment je me définis. Voilà une équation que l'endeuillé a à résoudre. Je vous parle maintenant de un quatrième auteur, Caroline Leaf. Je sais plus si c'est une américaine ou une australienne, parce que j'ai lu ses bouquins en anglais. Caroline Leaf, elle est neurologue, neurobiologiste. Elle fait voilà, elle a passé sa vie à faire des brain scans et faire des expériences pour voir comment le comportement des gens se retrouve. Voilà, elle est à la croisée des chemins entre la psycho, la biologie, la médecine, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Elle a des conclusions d'ailleurs qui sont très, très proches de Lisa Feldman-Barrett. C'est pas étonnant. Elle a écrit 2 bouquins notamment qui sont Switch on Your Brain et l'autre qui est Think, Learn and Succeed. Pense, apprends et réussis. Alors elle aussi, elle nous dit que l'être humain, il est câblé pour l'attachement. Elle nous dit que même l'attachement et l'interaction positive construit le cerveau, hein, que c'est ça qui construit les connexions neuro. Une chose intéressante d'ailleurs dans son bouquin, vous avez souvent entendu dire que pour ancrer une habitude, se mettre à un sport, changer de régime alimentaire, nettoyer sa chambre tous les matins, je ne sais pas quoi, eh bien il fallait 21 jours. 3 semaines, 21 jours, ça se tient. C'est un compte rond un peu, ça se retrouve dans plusieurs traditions. Et eh bien elle, scanner à l'appui, elle nous dit que pour ancrer une habitude, et c'est plus long que ça, c'est 63 jours. Je vous le note pour ceux qui êtes en train de prendre des bonnes résolutions, 63 jours pour qu'une habitude soit suffisamment ancrée en termes de connexion dans votre cerveau pour que le processus devienne assez facile et assez automatique. Alors, elle a développé
un petit protocole que je n'ai pas encore testé avec mes patients en thérapie, mais j'ai hâte de le faire, qui se déroule en 30 à 45 minutes maximum. Elle dit d'ailleurs que si l'attention focalisée sur le problème, l'émotion négative, dépasse 30 à 45 minutes, c'est trop et le sujet fuite, hein, et que ça devient contre-productif. Ça ancre quelque chose des émotions négatives qui sont en train d'être travaillées. Et le protocole qu'elle recommande, je vous propose de prendre un papier et un crayon, ou non, je vais pas le noter là. Si, je peux le noter. Le premier protocole, c'est pendant 90 secondes, vous pouvez faire ça tout seul à la maison, hein, vous observez, vous accueillez, vous acceptez ce que vous ressentez. Hein, donc une phase d'observation, d'accueil, d'acceptation de tout ce que vous ressentez par rapport à ce proche qui a disparu et qui vous rend triste, vous donne le sentiment que le monde est incertain, vous fait paniquer, vous fait pleurer, bref, vous contemplez ça. 1 minute et demie, ça passe vite, hein. Après, pendant 90 secondes, vous allez chercher le sens. Vous trouvez le sens de ce qui est en train de vous arriver. Ok, je suis très triste, très amer et un peu en colère. Alors qu'est-ce que ça vient me dire ça? Quel est le sens de quelle est l'issue? Enfin, l'issue, non, l'issue et le sens, c'est différent. Mais quel est le sens? Voilà, c'est très personnel. Je vous donnerai des anecdotes à la fin. Et enfin, les 90 secondes d'après, Leaf, elle nous demande, Caroline, elle nous demande de passer à l'écriture, d'écrire dans une, deux, trois phases simples maximum le sens que vous avez trouvé à l'émotion négative que vous ressentiez. Par exemple, je suis triste parce que maintenant le soir, maman, elle n'est plus là pour me bercer. Je suis triste parce que mon grand frère, avec qui j'adorais jouer au foot, eh ben maintenant il n'est plus là. Des choses, voilà, qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre, sujet, verbe, complément. Vous arrivez au cœur de votre émotion, en quelque sorte. Et ensuite, une fois que vous avez avancé dans le sens et dans la description de ce qui vous arrive, vous passez à l'action. Vous écrivez où l'action qui est déduite des trois premiers processus. Et là, on retrouve qui? On retrouve les travaux de qui? De Lisa Feldman-Barrett, qui nous dit que l'action est le prédicteur numéro un des émotions négatives ou positives. Ça veut dire que ce que nous dit Caroline Leaf, là, ce processus de 1 minute 30 à observer, 1 minute 30 à trouver du sens, 1 minute 30 à écrire et 1 minute 30 à poser une action, ou à l'écrire, cette action, c'est bien un déterminant de comment nos émotions vont vibrer en nous. C'est par l'action. La neurobiologie nous le confirme. Voilà quelque chose donc que vous pouvez essayer. Est-ce que j'ai un exemple à vous donner là? Eh bien non, j'ai pas d'exemple puisque j'ai pas encore essayé ça en thérapie avec mes patients, mais je vais le faire bientôt et je vous en donnerai des nouvelles. Un autre auteur pour mettre en perspective le deuil. C'est, enfin un auteur, je ne sais pas si on peut dire que c'est un auteur. Thich Nhat Hanh, un moine qui était au village des pruniers, je crois qu'il est décédé d'ailleurs maintenant. Et bon, lui, il nous parle bien sûr de la continuité des choses, hein, que tout se transforme et que la douleur de notre deuil est due au fait que nous nous attachons à un objet, un sujet, et que du coup, quand ce sujet disparaît, ça nous crée de la douleur parce que nous sommes attachés à l'objet ou au sujet, et que nous oublions de voir, de nous connecter avec le fait qu'en fait, ce sujet ne disparaît pas, il reste vivant quelque part. C'est tout à fait la métaphysique que j'essayais d'introduire dans le début de mon propos. Donc c'est la question de comment je peux rester en lien. Comment je peux rester nourri par les souvenirs, les valeurs, les mémoires, les discussions, les émotions positives et soutenantes que j'ai expérimentées
avec la personne avec qui j'étais en relation pour que, ben, même si elle n'est plus là, elle est en moi et je sais comment l'invoquer. Ah, j'ai un petit exemple à vous donner pour ça. Ça parle pas exactement du deuil, mais ça parle de comment on peut internaliser quelqu'un. J'ai fait du parapente pendant 5 ans comme un dingue, j'en faisais tous les week-ends. Et je me souviens très bien du premier jour où j'ai fait mon premier vol tout seul. Je venais de passer mon brevet. Et donc, j'avais acheté ma voile. Et je me retrouve à côté des Vences en Ardèche, sur une petite colline, un atterrissage et un décollage que j'avais l'habitude de pratiquer en club. Sauf que ce jour-là, il n'y avait personne. J'étais tout seul. Il n'y avait pas le prof du club, il n'y avait pas les copains du club, il n'y avait même pas de touristes qui étaient venus pour voir le parapente voler. Et moi, j'étais tellement stressé de faire mon premier vol tout seul, sans mon moniteur qui était éventuellement là en radio pour me dire freine à droite, freine à gauche, relâche, accélère, etc., que j'ai recréé sa voix tout seul en parlant à voix haute. Je parlais à voix haute dans les airs en reprenant exactement les mots de mon moniteur de voile de l'époque. Et donc, vous pouviez en entendre dire freine à gauche, relâche, relâche à droite, ok, accélère, accélère, c'est bon, parce que ça me rassurait. Voilà une manière d'invoquer quelqu'un qui est, là, il n'était pas mort en l'occurrence, mais il n'était plus là. Voilà une manière d'invoquer quelqu'un qui n'est pas là et de le ramener dans votre réalité pour que ça fasse quelque chose de positif. Thich Nhat Hanh nous dit donc de nous rappeler de l'impermanence des choses et de développer notre capacité à recréer un lien avec le défunt, même s'il n'est plus là. Hein? Et donc, je vous le redis, c'est un lien avec les émotions positives, les souvenirs, les valeurs, les expériences positives que nous avons vécues avec ce sujet qui peuvent nous aider si nous arrivons à nous remettre en lien avec. Krishnamurti, je vous l'écris, si, oui, si, pour ceux qui veulent le lire. Je crois qu'il était libanais. Je crois que son livre le plus connu, c'est Se libérer du connu, d'ailleurs. Et dans ce livre, il aborde une notion qui me semble essentielle. Il remarque que dans le deuil, il y a un risque de ne faire que pleurer sur soi. Alors, bien sûr, notre tristesse, elle est légitime quand nous perdons quelqu'un. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, convenez avec moi que ça n'a plus beaucoup de sens de pleurer constamment sur le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et que si nous réussissons à ouvrir notre perspective, alors, en effet, il y a sûrement une manière plus large, plus intégrée socialement, plus, je ne sais pas comment le dire, redistributive de pleurer, enfin, ou de faire quelque chose avec l'émotion négative qui nous arrive. Le Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, c'est un autre auteur que je vous recommande. Alors lui aussi, il a un nom pas facile. Hein. Eckhart Tolle, je ne crois pas que je fasse d'erreur d'orthographe. Son livre, je crois, phare, c'est Le pouvoir du moment présent. Et en lisant le bouquin d'Eckhart Tolle, je crois que si vous êtes dans un processus de deuil long et difficile, ça devrait vous aider. Parce qu'il parle tout simplement de la puissance dans laquelle ça nous met quand nous réussissons à nous connecter pleinement au moment présent. Et forcément que ça nous donne de la puissance, parce qu'en étant très branché avec le moment présent, et bien forcément, le souvenir, agréable ou douloureux, et bien il n'est plus là. Hein? Si je goûte suffisamment bien le moment présent, le passé ne m'atteint pas les oreilles, les yeux ou le cœur. Donc les exercices de méditation, de présence sont utiles. Et en tout cas, ce livre, Le pouvoir du moment présent, moi, m'a aidé personnellement, a aidé plusieurs de mes patients à qui je l'ai recommandé. C'est une manière de
lâcher la prise que l'on peut avoir sur le passé lorsqu'on est endeuillé et de revenir bêtement dans le moment présent. Souvenez-vous de d'une définition que je vous propose du deuil, hein, c'est comment je vais faire avec, quel temps et quel parcours il faut que je traverse pour faire avec le trou, le vide, l'absence que j'ai aujourd'hui du défunt qui a disparu de ma vie. Eh bien, le moment présent, c'est évidemment une bonne thérapie. Et d'ailleurs, dans l'exercice de la psychothérapie, moi personnellement, avec mes patients, j'aime m'appuyer beaucoup sur ça, sur qu'est-ce que dans le moment, les circonstances, le récit du sujet, mon vécu interne, comment les deux individualités du sujet que j'écoute et de moi-même, qu'est-ce que ça vient créer comme moment présent qui est en train de nous dire « Ouh, il se passe quelque chose de fort là et de vivant, donc allons-y » plutôt que de continuer à regarder le passé. D'ailleurs, souvenez-vous de Strobe, hein, en 99, son étude et sa théorie du dual process qui dit que dans un deuil, nous alternons constamment entre regard sur le passé et regard sur le futur. Eh bien, souvenez-vous de Caroline Leaf qui nous dit que il faut pas y rester plus d'une demi-heure ou 45 minutes. Souvenez-vous de Lisa Feldman-Barrett qui nous dit que le prédicteur numéro un de l'émotion négative ou positive, c'est l'action. Eh bien voilà, je crois que Eckhart Tolle, en nous incitant à nous brancher sur le moment présent, Lisa Feldman, Caroline Leaf, en nous incitant à aller dans l'action, nous aide, je crois vraiment, à sortir du deuil. Alors, Christian Bobin, la plus que vive. Alors, si ce livre-là, il est magnifique, j'aurais aimé vous lire un extrait. En tout cas, je vous invite à l'acheter, ce livre. Il est très court et dedans, il y a un passage magnifique dans lequel il remercie sa femme qui est morte et il la remercie parce que grâce à son décès, il explique d'une manière extrêmement poétique quelles étapes intérieures incroyables il a traversées grâce à elle, grâce à son décès. Et là, vous voyez le saut quantique, hein, la distance qu'il faut franchir entre l'apitoiement sur soi-même et la capacité de remercier l'événement tragique qui a fait que l'être cher a disparu. Alors évidemment, ça se fait pas 3 jours après le deuil, je crois. Mais c'est intéressant de lire un poète qui décrit ce processus. Et donc, Christian Bobin, La plus que vive, le livre où il décrit la perte de sa femme, je vous invite à le lire. Alors, j'ai un petit chapitre encore maintenant qui est plus personnel. Je vous ai parlé des auteurs un peu connus et des influences exercées par la littérature scientifique sur le deuil. Le processus du deuil. Maintenant, je vais vous parler de ma représentation. Alors, est-ce que je vais dessiner là? Oui. Voilà la représentation que je me fais de la vie d'un sujet quand il est traversé, et c'est le cas de tout le monde, par un deuil dans sa vie. Alors, est-ce que ça va être la bonne direction pour vous? Eh bien oui, c'est pas mal ça. Ça va vers la droite, c'est très bien. Donc ça, ici, je vous propose de considérer que c'est la naissance, et ça, c'est la mort, ok, hein, on arrive, on est petit, et puis on grandit, on vit plein de choses, et on meurt, c'est la fin du trajet. Qu'est-ce qui se passe, de mon point de vue, dans la trajectoire de quelqu'un qui rencontre un deuil, qui perd un être très proche? Eh bien, d'un seul coup, il a un gros nuage gris, ici, qui vient pleuvoir un déluge d'eau, de larmes, de tristesse, par exemple. Et ce déluge d'eau est tellement important, tellement abondant, et il dure tellement longtemps, qu'il va nécessiter absolument la construction d'un barrage pour contenir, voilà, c'est bon, pour contenir l'eau qui s'est accumulée, les larmes qui se sont accumulées, la tension interne qui s'est accumulée entre tout ce qui se vit en interne, les émotions, les pensées, les croyances, les habitudes douloureuses qui
naissent avec le deuil. Tout ça, ça vous agite à l'intérieur, et pour pas devenir fou, pour pas mourir de chagrin, parce que ça existe, et bien pour pas tomber malade, pour pas somatiser, vous devez un minimum contenir cette explosion intérieure qui sinon fait que vous pouvez pas aller travailler et que vous êtes débordé par l'intensité. Alors, si cette représentation vous parle, eh bien, dans ma représentation des choses, ça me plaît d'imaginer que la thérapie, c'est un peu comme une manière d'installer ici un petit robinet. Un petit robinet et d'avoir le mode d'emploi du robinet pour évacuer ce contenu interne oppressant, vider ce contenu interne pour pouvoir fonctionner normalement, hein, d'avoir une certaine forme de contrôle et de pas être soit débordé par le tsunami qui est plus fort que le barrage, ou alors, évidemment, si rien ne circule et si le barrage est absolument hermétique, c'est pas bon non plus. Vous comprenez l'image. Voilà. Voilà la représentation que je me fais du vécu de quelqu'un qui a perdu un être cher. Il est en tension entre deux forces opposées, les émotions, pensées, croyances, valeurs, habitudes qui se sont négatives, qui se sont créées par le deuil, et quelque chose en lui qui essaye de résister à tout ça, parce que si tout ça se manifeste d'un seul coup, c'est trop, ça fait craquer, et je vous le redis, ça peut rendre fou, ça peut faire mourir de chagrin, et en tout cas, c'est pas vivable socialement. Hein. Dans ma pratique, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Je voudrais quelques séances de thérapie avec vous, parce que il y a 3 ans, j'ai perdu mon père et je m'en remets pas. » Ça ne m'est jamais arrivé. Et en en parlant avec des collègues, c'est un peu pareil. Donc, je crois que c'est parce que le processus du deuil est pas très bien connu. Il est sous-estimé. Il est aussi tabou. Et notamment dans le cas des deuils qui mettent du temps à se faire, eh bien, l'entourage en a un peu ras-le-bol. L'entourage en a ras-le-bol et l'endeuillé a du mal à faire valoir ce qu'il vit, qui est difficilement partageable, et dont il sent que s'il l'exprime et le libère, ça vient aussi confronter les autres avec ce que chacun essaye de ravaler. De mon expérience, clairement, le deuil se fait mieux si les gens sont dans l'action. Dans l'action et s'ils s'occupent de leur corps, je veux dire s'ils mettent leur corps en mouvement. Souvenez-vous les travaux de Lisa Feldman-Barrett, Caroline Leaf nous dit la même chose. Donc si vous êtes dans un processus de deuil compliqué et long, un, vérifiez que vous êtes en bonne santé physique, parce que c'est un prédicteur du deuil long et difficile, ça, la mauvaise santé physique, et ensuite, mettez-vous en mouvement plus que vous ne l'êtes déjà. En tout cas, vérifiez que vous êtes suffisamment en mouvement, et le mouvement, c'est pas uniquement le sport, bien sûr, c'est le fait de changer d'environnement de temps en temps, d'aller visiter la ville voisine ou le pays voisin ou la famille qui est un peu loin qu'on n'a jamais vue, hein, c'est de bouger, d'explorer l'espace, d'apprendre une nouvelle langue, c'est de regarder des films dans d'une culture étrangère si c'est le cinéma qui est votre dada, votre hobby. Bref, c'est de mettre du mouvement et de l'action où votre corps est quand même un minimum engagé, impliqué. Une chose qui fonctionne bien de mon expérience en thérapie, c'est de, surtout si vous êtes un peu créatif et artistique, c'est de faire quelque chose dans la matière avec le souvenir de la personne qui est décédée. Faites-lui une petite sculpture, faites-lui un dessin, faites-lui un poème. Offrez-lui un joli cahier où vous allez, peut-être de manière calligraphiée, en tout cas avec beaucoup d'attention, écrire quelques conversation, comme si vous lui envoyiez une lettre. Établissez un lien, qu'il soit artistique, hein, ou poétique, avec cette personne qui a disparu, parce que de toute façon, en vous, ça existe encore. C'est toujours vivant. Et donc, le fait de pouvoir le mettre dans la matière,
de pouvoir le poser quelque part dans votre salon, dans un placard, eh bien, voilà, le mort, il a une place. Et c'est un des enjeux du deuil, c'est une des conditions, pardon, pour que le deuil réussisse, c'est que la personne qui a disparu, eh bien, en fait, elle n'a pas disparu. Elle a une place. Elle est quelque part en vous, à un endroit que vous pouvez atteindre, que vous pouvez caresser, dont vous pouvez vous nourrir. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça donne une issue. Et en plus, ça vient, je crois que c'est pas inné de faire ça, parce que il y a une espèce, il y a une croyance ou une phrase qui revient souvent, c'est « mais arrête d'y penser ». Et ben non, c'est pas aussi simple que ça. Et par contre, c'est simple d'écrire, c'est simple de dessiner, c'est simple de faire une petite sculpture, c'est simple d'écrire des lettres. Tout le monde sait le faire. Et vous verrez, si vous avez un deuil compliqué et difficile, faites ça, produisez quelque chose dans la matière, adressez-vous à l'être que vous avez perdu, et vous verrez ce que ça produit, ça fait du bien. Le sens, souvenez-vous qu'il y a plusieurs théoriciens du deuil, hein, qui parlent du sens et de à quel point c'est important de trouver du sens. Ne vous endormez pas là-dedans, dans le sens où, je me répète beaucoup là, le sens que vous allez pouvoir donner au deuil va évoluer en fonction des années. Et bien oui, forcément, si vous perdez quelqu'un de très proche à 20 ans, la manière dont vous le traduirez à 20 ans sera différent que à 30, 40, 50 ans, avec la maturité qui viendra, avec le changement de perspective qui viendra. Vous ne verrez pas les mêmes choses quand vous aurez, je ne sais pas, des enfants vous-même, ou quand vous aurez passé telle et telle étape de votre vie. Donc, laissez la notion du sens du décès de votre proche évoluer toute seule, et pour ça, l'écriture, eh bien, c'est formidable, parce que si vous faites ça, pas tous les jours, c'est pas la peine, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, de temps en temps, comme ça, eh bien, vous verrez que avec l'habitude, il y a un moment où c'est la main qui écrit toute seule un peu, hein, et vous êtes plus très très présent d'une manière rationnelle, et vous vous laissez écrire des choses qui parfois vous surprennent. Eh bien oui, voilà, 6 mois après, 10 ans après, vous avez écrit quelque chose de nouveau dans votre compréhension du deuil. Laissez-vous surprendre par ce genre de choses. Un risque dans le processus du deuil, petite alerte, c'est, vous avez bien compris que le deuil, c'est comment je vais recréer du lien, qu'est-ce que je vais faire de cette partie de moi qui a absolument besoin d'être en lien avec mon proche décédé. Eh bien, la prudence à avoir en tant qu'endeuillé ou en tant que thérapeute, c'est de vérifier que ce avec quoi l'endeuillé se connecte n'est pas toxique. Et oui, si la bouteille de rhum, je me rends compte qu'elle apaise mon angoisse, elle apaise ma tristesse quand je rentre du travail, eh bien, évidemment, je suis là sur une pente très glissante et mortifère. Hein. L'alcool, c'est une drogue dure dont peu reviennent quand ils ont vraiment été alcooliques. Donc, voilà un exemple caricatural, mais bien réel. Et vous pouvez décliner ça à beaucoup d'autres choses. La suractivité professionnelle, par exemple, c'est une fuite courante. Le surinvestissement dans quelque chose, dans les liens familiaux. Bref, vérifiez que, notamment dans la deuxième période que décrit Christophe Fauré, la période de la fuite et de la recherche de liens, que ce avec quoi vous vous mettez en lien est réellement nourrissant, structurant et génère des émotions positives. Voilà. J'ai 2-3 citations à vous lire que j'ai collectées pour illustrer certainement mieux que mes mots ce que j'ai essayé de vous dire, des mots de poètes qui ont retenu mon attention. Des poètes ou pas d'ailleurs, hein. Et après je serai ravi de recueillir vos questions. La première phrase, c'est de Monique Bidlowski, extrait du livre « Je rêve un enfant ». L'aboutissement d'un deuil normal n'est en aucune façon l'oubli du disparu, mais l'aptitude à le situer à sa juste place dans une histoire achevée, l'aptitude à réinvestir pleinement les activités vivantes, les projets et les désirs qui donnent de la valeur à l'existence. Daniel Pennac, dans le livre « La fée carabine ».
Cela arrive souvent de s'inventer des maladies après un deuil. C'est la façon de se sentir moins seul. On se dédouble, si vous voulez. On se soigne comme si on était un autre. On est de nouveau deux, celui que je suis et celui que je soigne. Alain Le Blay, faire le deuil, ce n'est pas oublier le passé, mais apprendre l'avenir à nos souvenirs. Voyez là, j'imagine, la contradiction avec ce que nous dit Freud, hein. C'est vraiment le processus du deuil réussi, c'est comment je réussis à vivre aujourd'hui pleinement avec le fait qu'en moi j'ai une absence, voilà, une absence, et que je suis relié quand même à quelqu'un qui n'est plus là, mais qui est dans les nuages. Et enfin, ah oui, je vous le lis celui-là. Il est vraiment, je le trouve vraiment beau. C'est un poème amérindien d'auteur inconnu. À ceux que j'aime et qui m'aiment, quand je ne serai plus là, lâchez-moi. Laissez-moi partir car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissant pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Voyez comment ce poème amérindien touche la notion développée par Thich Nhat Hanh de la permanence de l'être, et que si nous arrivons à être intérieurement connectés avec cet être qui pourtant est disparu, eh bien, le deuil apporte quelque chose, nous a fait perdre quelque chose ou quelqu'un, mais nous apporte aussi quelque chose, ou plutôt ce quelque chose que l'autre nous a apporté, il est toujours là, il est toujours en nous, pour peu que nous ayons réussi à maintenir un lien avec. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais envie de vous dire autour du deuil. Et maintenant, du coup, je veux bien accueillir quelques questions et y répondre si je le peux. Et puis, s'il n'y a pas de questions, j'arrêterai là jusqu'à la prochaine conférence. La connexion a l'air bonne. Alors je regarde si vous avez des questions. Merci Mike, merci Nathalie, merci Béatrice. Merci Marielle. Est-ce que vous avez des questions, particulièrement, j'imagine, si vous êtes vous-même dans un deuil long ou compliqué, qui vous prend du temps et de l'énergie, dont vous savez pas comment vous départir. Vraiment, moi, ce que j'ai fait souvent avec mes patients dans ce cas-là, c'est de leur demander d'acheter un petit livre et de, voilà, de démarrer une communication comme ça avec le défunt. Et voilà, et une fois le livre achevé, c'est déjà arrivé, eh bien, le livre, on peut s'en débarrasser, ou alors il reste dans un tiroir et de temps en temps, pof, la personne vient le consulter et on retrouve l'alternance, le dual process de Straube, hein, qui dit que quand on fait un deuil, on alterne entre souvenirs qui nous mettent dans le passé et puis projection dans l'avenir, évitement du passé. Voilà, ça c'est quelque chose que dit beaucoup Caroline Leaf aussi, c'est que c'est bien de structurer notre deuil, de nous donner des moments pour faire le deuil, et aussi surtout de nous donner des vacances pour faire le deuil, peut-être pas jusqu'au point de se faire un agenda, mais en tout cas
de s'autoriser explicitement et de cadrer explicitement des périodes de temps où on ne va pas penser ou faire des choses ou passer du temps en connexion avec cet être qui est disparu parce que, bah, parce que la vie, elle est là et qu'on a des choses à faire. Marielle, le dernier poème est très beau. Eh ben, il sera dans la description aussi de la vidéo. Voilà, tout ça, ce sera accessible. Et alors, écoutez, je ne vois pas de questions. Ah si. Merci pour la conférence. Vous m'avez beaucoup aidé il y a 10 ans lors du décès de mon père. Ok. Eh ben, merci. Merci Marie pour votre témoignage. Je ne sais pas si je vous avais demandé d'écrire un livre, d'écrire dans un cahier, mais je suis ravi que ça vous ait aidé, mon accompagnement. Bien. Alors. Eh bien, écoutez, je ne vois pas de questions. Vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai par écrit. Je vous rappelle que vous pouvez consulter mes informations professionnelles à Florence qui nous dit sensation de vide, gorge jusqu'au ventre, pleure les nuits, bien dans la journée. Ok, pleure la nuit, bien dans la journée. Bah, c'est déjà bien que ce soit polarisé comme ça, qu'il y ait des moments de répit. Et évidemment, sensation de vide dans la gorge jusqu'au ventre, hein, c'est toute cette zone-là qui, d'un point de vue ostéopathique, d'un point de vue des fascias, est serrée. Est tendu par le deuil, par l'absence. Et c'est là qu'il y a un travail à faire en ostéopathie et aussi en thérapie, bien sûr. Donc mes informations, elles sont consultables sur mes sites internet, qui seront dans la description de la vidéo. Et puis, ben voilà, je crois que je vais arrêter là. Merci pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. Le thème de la dépression me plaît bien, m'intéresse. Ça sera un peu dans la continuité du deuil. Je serais ravi d'avoir vos idées pour savoir ce qui vous intéresserait que je développe. Et voilà, j'espère que ce contenu vous a intéressé. Merci beaucoup et à bientôt.